Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ici présents derrière nous le Palais des Congrès à Marrakech où se déroulent les travaux du premier forum africain sur la sécurité routière placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ce forum tenu sur le thème sécurité routière en Afrique, levier du développement durable, s'étale sur 3 jours, du 13 au 15 novembre 2018. L'événement est organisé par le ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, le comité national des préventions des accidents de la circulation en partenariat avec le programme des politiques de transport en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Saïdine Outmani, chef du gouvernement, en présence d'un nombre important de ministres africains et d'éminentes personnalités nationales et étrangères. القارة الإفريقية مع الأسف الشديد لا تزال متأخرة في مؤشراتها في مجال السلامة الطرقية والمغرب عنده واحد تجربة في هذا المؤتمر أو هذا المنتدى هو مناسبة أولا لتقاسم تجربة المغرب مع إخوانه الأفارقة مناسبة لوضع معالم استراتيجية مشتركة على مستوى القارة الإفريقية ولتدارك هذا العجز الموجود مناسبة لتقوية علاقة المغرب مع أشقائه الأفارقة. Les différents acteurs du domaine de la sécurité routière vont échanger lors de ce forum leurs expertises et bonnes pratiques pour un seul objectif, faire baisser l'insécurité sur les routes africaines. La valeur ajoutée de ce forum qui est au niveau du continent, c'est le niveau de participation des leaders de ce continent et un parterre d'une vingtaine de ministres africains qui ont pris part à cet événement. Cela dénote donc du niveau de représentation assez élevé et c'est cela la particularité du forum d'aujourd'hui. En plus des débats scientifiques, le programme comporte un festival africain du film sur la sécurité routière. En plus, une exposition est mise en place pour permettre aux participants africains de faire des rencontres B2B afin de nouer des relations à même de promouvoir leur métier dans le domaine de la sécurité routière. Les pays africains ont presque le même concept, soit l'état des routes, soit le comportement. On veut vraiment s'accentuer sur ça, sur ce point, sur tout le comportement. Parce que l'être humain, ou bien le conducteur, ou le piéton, dans les pays africains, il n'est pas, c'est-à-dire le même que dans le pays européen. Donc il nous faut des mécanismes spécifiques aux pays africains. Donc soyez au rendez-vous, chers téléspectateurs, pour suivre de près la couverture spéciale qu'accordera la Web TV du ministère pour les travaux du premier forum africain sur la sécurité, le premier forum du genre en Afrique.